Re-YouTube. Sans doute le dernier épisode. On a le détonateur, on a tout ce qu'il faut, on a même un lapin en peluche. Et on a même des yeux dégueulasses. Et j'ai trop peur. Là les enfants, là c'est le pire moment là. Là on doit retourner dans l'eau là. J'aime pas. Bonjour la pelote, n'hésite pas à nous raconter ton histoire de pseudo. C'est la tradition des nouveaux followers si jamais tu le désires. En tout cas, bienvenue à toi. On va charger la lumière là. J'ai envie de tirer au gun là. On est chaud. Et bienvenue Yanux Love également. Bienvenue, merci pour le follow. Vous êtes adorables, mesdames et messieurs. Bonjour. Ah. On souhaite la bienvenue au nouveau, bien sûr. J'ai confiance en vous, les enfants, les habitués de la maison du loup de givre. Bon, attendez, on fait quoi là? Là, ça sent la merde. Là, je peux vous dire que ça sent la merde. Là, c'est beaucoup trop calme. Mais alors, beaucoup trop calme. Alors, pour ceux qui se posent la question, au début du jeu, on n'a pas de shotgun, on n'a rien du tout. Hein. Ah, Maurice est là. Ok. Ah, il nous avait presque manqué! Vous avez presque manqué. Ça va le chat, sinon vous appréciez. Bonjour Yanux. Comment vas-tu? Merci pour le follow, bien sûr. Ah! Petit chargement ici. J'aime bien cette lumière là, elle me fait plaisir. Je pense qu'on a été assez sage et Maurice n'est pas venu. Il n'y a pas de script pour Maurice ici. Après on vient de buter un mec complètement taré dans les 4... Ah mais c'était le mec... Il est juste au-dessus de nous par contre. C'était le mec qui était enfermé, qui attendait en fait. Il est devenu fou d'attendre en fait. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un lapin. Alors est-ce que... Je pense qu'on aura plus besoin des pinces. Au pire on les pose là. Ça libère un truc d'inventaire. Et on va prendre du heal à la place. Donc qu'en pensez-vous? Je pense que c'est pas mal. C'est ton jamais. Are you ready le chat pour les... Ah oui le casier. Oh oui t'as raison. Oh là là, heureusement que vous êtes là hein. Moi, j'étais prêt à en découdre. Ah oui, le casier. Ah oui, le casier. My bad, pardon, attends. On va tout déposer. Ah! C'est bon, il est pas là. Si j'ai des questions pour le jeu, sur le jeu, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude. Le chat vous répondra. Et moi-même aussi. Moi-même également. On va même... Tu sais quoi? On va poser plein de trucs, là. On pose tout ce qu'on peut poser au cas où il y ait plusieurs trucs dans le casier. Alors notez le code, vous allez me dire le code. 9709. Et comme je vous ai dit de me le dire, bah je m'en souviendrai. Mais au cas où je vous le dis. Comme ça vous pouvez, voilà, faire le petit loup qui note. Vous adorez ça, moi aussi, c'est formidable, on adore tous ensemble. Vous avez dit quoi? 9709, ok. 9709. Des balles de fusil à pompe et une note. Ok, on va... Oh là, il m'a fait peur. On va retourner. Sauvegarder tranquille. On va reprendre ça. Et bah ça, du coup. Est-ce qu'on peut fusionner des trucs qu'on n'a pas fusionné? Ça, la bouteille de gaz. Ça, c'est l'objet le plus inutile du jeu. La montre à gousser. Genre vraiment, genre horrible. Quoi de mieux pour stresser, quoi. Je pense qu'on peut s'en sortir comme ça. Vas-y. Et est-ce qu'on a les grenades sur 1, les trucs sur 3 et on a le pompe sur 2. Donc 1, ok. Ça me va. Rechargeons le shotgun. J'ai dit rechargeons le shotgun. Ok, c'est difficile de recharger dans ce jeu, sachez-le. Ok,
On a plus d'essence, c'est bon, on est prêt, on y va. Je crois que ce qui m'empêcherait le plus de jouer à ce jeu, c'est son absence de sens de l'orientation. Non mais, en fait, tu comprends, au début, clairement, tu comprends que dalle. C'est au fur et à mesure que tu te repères. Mais vraiment, au début, j'étais mais full paumé. Hein. Après, t'as un plan quand même. Hein. Donc, on a tout ce qu'il faut, on a un détonateur et de la dynamite. Formidable. Je sais pas où il faut les mettre. C'est là? Non, c'est là, oui. Tout va bien se passer. Oui, la dynamite! Et c'est là que ça fait fin du jeu, crédit. Ça serait tellement triste. Mais je pense pas. Ça aurait été possible il y a 8 ans, mais là non, maintenant c'est fini ça. Vous êtes prêts le chat? 3? Le compte. Vous me le dites. À votre signal, 3, 2, 1, vous faites un petit 3, 2, 1 et on y va. Allez, vous êtes prêts? J'attends. On attend. 3! Le décalage. 3, 2, 1. On y va. Ouh. Là, ça fait. Ça n'a pas marché. Veuillez récupérer une scie sauteuse. Ok, ça a sauvegardé. Ciao, Maurice. Yatta. Oh. Attendez, on va sortir le gun. Allez hop. Ça va pas traîner cette histoire. Attendez, je viens de capter que le gun en fait il est sur R quoi qu'il arrive. Donc en fait on va le virer du 2. On va mettre la grenade sur 2. Là sur 2. Retenez grenade sur 2 si je vous hurle au secours. On va mettre le lapin sur 1. Oh monsieur Lapidou, on va te sortir de là. Je me sens rassuré avec Monsieur Lapinou à mes côtés. Mais j'avoue que je pense que je me sens plus rassuré avec le shotgun. Ah! Maurice nous a donc suivis. What? Ah, j'ai cru que ma lampe marchait plus. Et dire c'est quoi cette... Non, c'est juste que quand tu sors le gun, t'y vois plus rien, ok. Ah oui, quand tu sors le shotgun, t'y vois rien. Ah ouais, pas mal ça. Genre arme à deux mains alors que le flingue t'y voit. On avance doucement, désolé, j'avance doucement. J'ai pas envie que Maurice nous saute à la gorge. Quel est ce lieu? Il y a des lumières qui sortent du plafond? Quand? Waouh. Ah, on peut. Il y a un pont qui s'est cassé. Donc les ponts se cassent, très bien. Intéressant. Vous pensez que si on jette une grenade sur un pont... Ah non mais il est pas en bois lui. Bonjour. Ça fait très peur cet endroit. J'y comprends que dalle. Ah une bouteille. Pourquoi des... Ça sent la bagarre hein. Alors, est-ce que j'ai reçu ma truelle? Mais oui j'ai ma truelle, formidable. Dégage. J'ai peur là, je sais pas si ça se voit au capteur mais... Ce pont est en bois hein. Maurice? Maurice? Y'a Maurice! Oh, il est en face de moi! Maurice fais gaffe hein! Oui, je t'ai vu, hein! Ferme ta gueule, Maurice! Bougez! Ah! Il s'est barré! On a plus de shotgun. Putain mais il est là. Mais il est déjà là.
Monsieur Lapidou, sauve-nous de ce... Sauve-nous de ce cauchemar. Monsieur Lapidou. Je suis tombé. Non, attendez. Attendez, je crois que j'ai fait de la merde là. Et j'ai cherché la dernière partie directe là. Je sais pas, c'était bizarre, je pense que c'était une fin du jeu, tu vois. Je pense que c'était une fin du jeu, le chat. Faut pas tomber, j'ai trop peur que ce soit la fin du jeu, tu sais, que ça fasse... Dommage. Vous avez raté le jeu. Je sais pas, au pire on testera. Vas-y, on y retourne. Est-ce qu'on reflingue... On est où là? Ok, c'est là. Ok, on y va. Bon, au moins on aura presque vu la fin du jeu. Mauvaise, hein. J'en sais rien en fait. Ça se trouve c'était juste un game over. Mais j'ai pas pris le risque en fait. Venez, on court. Oh putain. C'était pas lui tout à l'heure qui s'est pété. Putain, mais ce jeu il est hyper random. C'est un truc de ouf. Oh là là, y'a Maurice. On va le flinguer. On va le flinguer à nouveau. Maurice. Oh, au secours. Bon, on va pas tomber. Merde. Maurice est là. Faut le faire tomber dans le vide. Avec le pont, c'est sûr. Ok, il est là-bas. Ok. Viens là, mon Maurice. Tu cherches ton lapin. Putain, il est rapide en fait. Viens là, mon Maurice. Ça va faire quoi? Ça va faire un truc ou pas? Oh, un succès. Sentimental. On va crever là. Barrons-nous. Je suis désolé, monsieur Lapidou. Non, non. Est-ce qu'on recommence? Est-ce qu'on recommence ou pas? Ça fait partie du jeu ou pas? Je veux être sûr que c'est pas un fail. Je veux être sûr que c'est pas un fail. On le refait. On rebute Maurice. Ah, c'est trop bien. On recommence, oui. Non, mais ok. Non, mais ça, si tu le sais pas, faut avoir envie, quoi. Oh, trop marrant. C'était stylé, non? Si c'était scripté, c'était hyper bien fait, par contre. Si c'était pas scripté, c'était ultra bad luck. Elle s'est jouée à 0,5 secondes. Attends, le lapin il est sur quoi là? Vas-y, on met le lapin direct, hop. Monsieur Lapidou. Et là il fait, alors comme ça, si vous voulez me trahir. Non, non, je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles, mon petit lapin. Alors là, est-ce que ça va être le même truc? Non, vous avez vu? C'est pas le même chemin, c'est un truc de ouf.
on va, au moins on va avoir le plaisir de buter Maurice une deuxième fois. Après j'avoue j'ai regardé une heure si Maurice revenait à la vie dans les... dans le truc là. Ah il est là. Allez viens mon petit. Viens chercher ton monsieur Lapinou. Le monsieur Lapinou. J'ai jeté trop tôt, pensez. Ouais, il regarde vraiment le lapin. Il est trop mignon, Maurice. T'es trop mignon, Maurice. T'es trop mignon. Bon bah cette fois-ci, on se barre. Hein. Boule. Merde, c'est là. C'était pas un script. C'était vraiment pas un script. Par contre on se barre hein. Allez hop. Je t'ai vu te moquer de moi tout à l'heure. La lumière. Or. Or là. Or. Oui. La campagne. Mais non mais t'es con quoi. Non mais aucun effort. Ah mais ça va, c'est bon. Bon appétit. Ok, j'ai des succès. Mesdames et messieurs, Maurice. Bon, en vrai, c'est stylé qu'on puisse le tuer. Du coup, il y a la fin, on s'échappe. Si on s'échappe sans le tuer, la fin, on tombe dans le vide et c'est gagné. La fin, on tue Maurice. La fin ultra secrète qu'on a eue, c'est on tue Maurice et on saute avec lui en se disant en fait, Maurice. La guerre, tout ça, j'en ai marre. Au final, je me suis lié d'amitié avec toi. Après t'avoir vu serrer ce petit lapin dans tes bras, je te rejoins, Maurice. J'arrive. Nous, on a fait... La vraie fin qu'on a faite, c'est celle-là. On a fait aussi la fin du mec qui parle au lapin et qui regarde pas devant lui et qui tombe dans le vide. Celle-là, c'était une... Je pense que ma préférée, c'est quand même la deuxième qu'on ait faite. De rejoindre Maurice dans les ténèbres. Elle était cool, celle-là, de fin. Mais il se passe quoi quand tu tombes avec lui? On n'a pas vu la fin. On va regarder les fins alternatives. On va les regarder sur YouTube. Tu meurs, je suppose. Bah, je suppose qu'il y a une cinématique en mode ouais, t'es mort. Après, ça se trouve, c'est pas du tout une fin en fait. Ça se trouve, c'est juste un game over spécial. On n'a pas pris le risque de regarder. Mais ça se trouve, ouais. Hein. Vous avez aimé le jeu? Est-ce que vous avez aimé voir ce jeu? Moi, oui. En tout cas, je l'ai trouvé. Je le conseille. Alors. Les jeux d'horreur, c'est toujours difficile à conseiller. Moi, je suis pas du tout un fan d'horreur à la base. J'aime pas le gore, j'aime pas... Voilà, quand, par exemple, quand je joue à Diablo 4, ça me gêne quand je vois des boyaux tout le temps. Je suis là genre, bah, ça va, on a compris. Voilà, bon, super. Bon, après, le jeu reste bien. Rien à voir. Mais les jeux d'horreur, c'est cool parce que ça nous fait... C'est une expérience différente du jeu vidéo habituel, entre guillemets. C'est vraiment quelque chose à part, je trouve. Et Amnesia a toujours réussi à... Enfin, c'est faux. Amnesia 1 est très bien, Amnesia 3 est ok, Amnesia 4 est super. Le 2, on n'en parle pas. Le 2, n'en parlons pas. Ouais, en vrai, très cool. Et comme il y a de la randomisation, en fait, vous pouvez, même si vous connaissez la fin de l'histoire, vous pouvez quand même... Il peut se passer des trucs différents. On l'a vu là, en rechargeant 3 fois la map de fin, y a les chemins étaient différents, en fait. Donc même quand tu recommences, en fait, c'est... Même toi-même, quand tu fais dans ta partie à toi, ça peut être différent. Donc c'est marrant. Trop bien ce jeu, Maurice va nous manquer. Un bon jeu à regarder. Et surtout pas à jouer. Faudrait une émote Maurice. Non, on peut pas faire une émote Maurice, non. Mais Maurice restera jamais dans nos cœurs. Salut Mascas. On a aimé te voir jouer à ce jeu, mais y jouer... C'est trop bien, merci beaucoup, Ayo.
Non, mais ouais, franchement, très. Enfin, c'est dommage que. C'est bizarre qu'il n'y ait pas beaucoup de communication sur ce jeu. En tout cas. Enfin, il est vraiment très bien. Il mérite sa com, quoi. On va regarder le crédit jusqu'à la fin. Il ne doit pas y avoir non plus un milliard de gens qui ont joué à ce jeu. C'est dans quelle langue qu'il y a eu un rond sur le A là? Martin Stokos. On dirait un Stokos, le mec qui s'appelle. NDR. In loving memory of Cheetah and Pintor. Oh, ça doit être des chiens ou des chats qui sont malheureusement partis vers les cieux durant le développement. Merci à tous les joueurs et la communauté. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci à Maurice. Non mais franchement, c'est le meilleur jeu qu'ils aient fait, je pense. C'est le plus abouti, même s'il est plus court, certes. Et je me répète, je pense que c'est le meilleur. Il n'y a pas la claque du premier, en termes d'expérience jeu d'horreur, mais parce que j'étais déjà habitué. Et voilà. Oh là là, il y a des stats à la fin du jeu, trop bien. Il y a un moucheron qui passe chez moi, là, horrible. Niveau de difficulté, normal. Bon, en même temps, ça va. Temps de jeu, 6 heures. On a mis pile 6 heures à faire le jeu. Laps de temps le plus long entre deux sauvegardes. 15 minutes. Ça va, en vrai. Sauvegarde effectuée, 139. En même temps, mais en fait, s'ils mettent ça, c'est que forcément, t'es obligé de sauvegarder toutes les 2 secondes, quoi. Nombre de morts, 32. Mais au début, on faisait que crever. Rat tué, 2. Balles tirées, 24. Cartouche de fusil à pompe utilisée, 8. Ah ouais, donc ça compte. Attendez, ça a compté quand j'ai chargé la dernière sauvegarde, alors. Parce qu'en vrai, j'ai utilisé 3 cartouches de fusil à pompe. Donc ça a compté les 6 que j'ai mis dans Maurice. Et les 2 autres que j'ai me suis amusé à tirer dans les statues. Grenade lancée 19, grenade à gaz lancée 4. J'avoue que les grenades à gaz, c'est le truc qu'on a le moins utilisé du jeu. On l'a quasiment. En fait, on l'a pas utilisé, quoi. Bombe au pétrole lancée 18, ça par contre, on les a pas mal utilisés. Et moins que les grenades, j'aurais pensé plus. Torche de détresse lancée 9, ça c'était pas mal. Objet de soins utilisé 17, remplissage de générateur 19. Évanouissement 26, hein. Évanouissement 26, c'est quoi les évanouissements? C'est quand le mec nous fait tomber par terre? Évanouissement. Piège déclenché, 23, corps brûlé, 6. Oh, on peut brûler des corps, je savais pas. Feu initié. Ah oui, c'est vrai qu'on a mis... En fait, on a tiré nos cocktails sur Maurice, en fait. Donc on n'a pas déclenché de feu au sol. Porte détruite, 27, tant que ça. Nombre de fois repéré par le pisteur, 42. Repéré par le pisteur? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, le pisteur, c'est le monstre. Ok. On a été repéré que 42 fois par Maurice. Moi, j'aurais dit plus. Il nous a tué combien de fois? Nombre de morts, 32. Donc, en fait, sur les 42 fois où il nous a repéré, il nous a tué 10. Il nous a pas tué 10 fois. Après, c'est vraiment au tout début. Je pense que c'est le... En fait, au début, tu meurs comme ça. Stade des morts, ça fait... Et après, t'arrives à comprendre et ça fait... Ok, ça descend de ouf. Objet fabriqué, 56. Compteur de tir de balle sur le pisteur. 8. Compteur de tir de balle. Rat effrayé par une torche, 44. Ah ouais, quand même. C'est beaucoup. Ah ouais, parce qu'après, il y en a 44 rats effrayés par une torche. Incredible! Félicitations, vous avez terminé Amnesia The Bunker pour la première fois. N'oubliez pas que chaque partie de The Bunker est unique. Les objets, pièges et codes sont tous aléatoires. Faites une autre partie pour vivre l'horreur à nouveau. Ça va aller, merci. Ça va aller, merci beaucoup. Donc on va regarder YouTube. Bon, tu restes avec nous pour regarder, bien sûr, les fins alternatives. Attendez, vous avez vu, il y a le chat Twitch en plus, formidable. Je vous mets sur le bon écran. Normalement, c'est celui-là. Non, pas du tout. Celui-là? Celui-là? Ah oui, mais c'était le bon, je suis bête. Attendez, vous, le chat Twitch, je vous mets là. Je regarde Amnesia, All Ending, j'arrive. Amnesia The Bunker All Endings. Ok. Vous êtes prêts? C'est parti. Tac. On va mettre en qualité de type supérieur. Et il est quelle heure? 19h33. Oh putain, mais on est à la moitié du live là. Qu'est-ce que c'est que ça dit douir? Mais c'est cool, tu peux pas te faire spoiler ni les objets ni les codes. Alors, en vrai, en fait, ce qui est important dans le jeu, c'est quand même l'ordre. L'ordre dans lequel tu... Alors, true ending, ça c'est la true ending. Oh, il y a le lapin. Alors,
Ah la 3 Ah mais... Mais genre c'est... Genre c'est vraiment le meilleur truc qu'on a fait quoi. Ah je suis content d'un truc, c'est qu'on y a... On a réussi. Et ça prouve que le jeu est bien fait. C'est qu'on y a... On a compris tout seul ce qu'il fallait faire. Bon après je suis particulièrement intelligent, mais il faut quand même le dire. Mais bon... Je déconne. Mais c'est vrai que c'est très bien fait parce que du coup on a... Il a fait quoi là? Il a enflammé le truc. Ah ouais il y va tranquille. Et du coup on va bien voir ce qu'il fait Maurice. Il ramasse la pinou. Oh. Il a mis de l'essence mais ça servait strictement à rien pour le coup. Ok. Donc là bah en fait c'est ce qu'on a fait hein. Donc ça c'est la meilleure fin. On est trop fort. On est trop fort. Escape ending. Qu'est-ce que ça veut dire ça, escape ending? Ah genre c'est si tu tues pas le monstre. Il est où là? Attendez, il y a un autre truc. On va regarder. Là il y a Maurice. Ok, il a fait pop Maurice. Il va de l'autre côté. T'inquiète, la prédiction, on va la valider. Et genre là, il a pas peur que Maurice se ramène là, il s'en fout. Ok. Oula ! Ah mais genre il te met une petite pichenette la première fois, c'est fait exprès. Ils sont sympas. Ils sont sympas. Ah ouais non, il galère le mec là. What? Tu peux abaisser et monter le pont. Ok. What, c'est quoi ce délire? Ah oui d'accord, il le... Qu'est-ce que c'est que ça? En gros il bloque Maurice, c'est ça? Ok, c'est la même chose j'imagine. Ah ouais, y a pas grande différence quoi. Y a que deux fins. Ok. Donc en fait ce qu'on avait vu c'était pas une fin, c'était bien game over. Ok. Donc en fait, soit tu... Oh! Oh, il se barre. Bon bah on a clairement la meilleure fin quoi. La fin où Maurice va nous courir après dans la nature, ou la fin où il est mort et enterré dans les entrailles de la terre. Et on pouvait vraiment le tuer, mais ça ça fait plaisir en vrai. Et c'est exactement pareil. Et du coup, attendez, je regarde si on n'a pas le game over. D'ailleurs, j'étais toujours en anglais et ça... Vous inquiétez pas YouTube. Hein. Amnesia, The Bunker Game Over. The Bunker Game Over final, pour voir. Bah non, apparemment non. On verra jamais la cinématique. Attendez, all endings. Non, c'est ce que j'ai vu, voilà. All scary moment and jump scare. Non, ça ira, merci. Ok. Bon, bah voilà, hein. Des bisous YouTube. Au revoir. J'espère que t'as aimé. Viens sur Twitch.